Par ici! S'il vous plaît, me faites pas de mal! Dites-moi comment arrêter le déluge! Ou je vous jure que je vous tiendrai responsable pour chaque personne que l'épouvantail aura tuée. Il est enveloppé d'un champ de nimbus qui accélère la propagation de la toxine et amplifie les effets. Tous les véhicules du secteur qui ne fonctionnent pas au nimbus seront grillés! Je ferais mieux d'en emprunter un, alors. Oui, certainement! Je vous en prie! Entrez là-dedans! Alfred, Stagg m'a donné les moyens d'affronter le tank du déluge. Donné ? Quelle générosité ! Je retourne à la Batmobile. Il s'agit maintenant d'intégrer cette cellule Nimbus à la chaîne de transmission. Mais monsieur, la toxine de Crane passe à travers les fibres de la tenue, et même un masque à gaz ne vous protégerait pas. Si vous y restez trop longtemps, qui sait ce qui pourrait se passer ? Alors je vais devoir faire vite. Voilà, viens par ici, ça vaut... Tu ne peux plus faire demi-tour, bateau. Tu vas devoir affronter ta... Maître Bruce, j'espère que vous ne comptez pas faire ce que je pense. Ce serait tout à fait imprudent et irresponsable, même de votre part.
C'est la seule option, Alfred. Monsieur, même si le gaz ne vous paralyse pas sur le champ, une nouvelle dose pourrait avoir des répercussions psychologiques à long terme. Je n'ai pas le choix. Oui! Je dois retirer le noyau délicatement, ou le verrou de sécurité s'enclenchera. Mère est venue, Batou! Tu le sens, cet afflux de savoureuses toxines qui parcourt tes veines. Et Eric, les méandres de l'esprit tordu qui est le nôtre, moi, je le sens! Je gagne des forces, Bruce. Chaque fois que tu respires, je me sens plus vivant. Monsieur, le temps vous est compté. Sortez immédiatement. Reste calme. Respire bien à fond. Respire à fond. Tous ces efforts, ça doit te lessiver. T'as pas sommeil, Batou? Dodo, Batou, je serai bientôt libre. Et tu seras piégé, c'est le juste équilibre. Donc inspire à fond, respire la terreur. Batman partira et je serai vainqueur. D'accord, mon chéri, une dernière, mais après ce sera l'heure de s'endormir. Petit Batou, laisse-moi chanter. Passe-moi le rôle. Abandonne. Je m'éteins dans chacun de tes neurones. Ta matière grise tourne au vert. Maître Bruce, vous allez bien? Monsieur, êtes-vous là? Juste un moment, Alfred. Ça va aller. Ce n'est pas la grande forme, vieille branche. Dans pas longtemps, tu devras me passer le volant. Oh, imagine un peu comme on va se marrer. Muscle massacre à Tchaka. Maître Bruce, tout va bien? Mieux. Dieu merci. Quel profond soulagement. Monsieur, les niveaux de toxines de terreur dans l'atmosphère provoquent des interférences avec les scanners de la Batmobile. Vous aurez peut-être du mal à repérer le déluge. Ivy, je ne peux pas localiser le déluge avec tout ce gaz. Essaye de le dissiper. Impossible, Batman. Mes plantes sont trop faibles. Alors dis-moi où en trouver une autre. Il y a un arbre enfoui profond sous Founders Island. Le peuple Miagani l'appelait Ayana. Je le trouverai. Je suis sur Founders Island. Cherchons les racines d'Ayana. J'ai localisé la plante d'Ivy pour filtrer la toxine restante, mais le sonar n'a pas une portée suffisante pour la libérer. Un instant, monsieur. La nouvelle ligne de métro de Gotham est en construction juste sous votre position. Vous devriez trouver un point d'accès à Port Adams. Ce sera suffisant? C'est un début. Envoyez-moi les coordonnées. Ta plante est enfouie trop loin. Il faut que j'aille sous terre. Vite, je t'en prie. Alfred, je suis au parc à containers. Il me faut un accès.
Tout de suite, monsieur. Je me dois de vous prévenir. Les analyses indiquent que l'endroit regorge de tanks de la milice. Pas pour longtemps. Il se dresse entre moi et la plante. Monsieur, entrée verrouillée. C'est un piège. Batmobile en vue. Parc à conteneurs. Frappe multiple. Drone HS. J'atteigne le centre du parc à conteneurs. À cette écolo émoustillante. Franchement, Batou, j'étais persuadé qu'on faisait des progrès. Tu vas vraiment laisser cette femme plante transformer cet endroit en un petit jardin privé? Tu as vu ce qui se passait là-dehors? C'est le pays des Joker Merveille. Libérer le démon dans l'esprit de l'homme. Tu
m'a donné tort. Les capteurs du drone sont temporairement inactifs, mais je ne peux en pirater qu'un à la fois. Chaque piratage annule le précédent.
cible disparue. Trouvez-le, sergent. Tu n'es pas encore en train de creuser pour trouver la vieille fougère d'Ivy, dis-moi. C'est fini, Batou. Barbara est morte. Gotham s'étouffe dans la mélasse de l'épouvantail et ta popularité chute plus vite que les Grayson pendant leur dernier numéro de trapèze. Il ne te reste plus rien à sauver. Tu avais promis que Gotham serait en sécurité. Protégé. Mais que voit le monde maintenant? Ma toxine asphyxie ses rues. Elle occulte la lune. Elle empoisonne les arbustes sur lesquels tu comptais pour m'arrêter. Et maintenant, chevalier noir, je me tourne vers toi. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas ta vie qui doit se terminer. C'est ton mythe. L'espoir que tu incarnes. Faut vraiment que je te fasse un dessin, Batou? L'épouvantail a gagné. Tu n'as plus de ville à protéger. Alors arrête donc de jouer les héros et utilise ton joker.
Je suis sincèrement navré. Mes recherches sur l'identité du chevalier d'Arkham s'avèrent infructueuses. Rien ? J'ai une liste restreinte de candidats qu'on ne peut pas totalement exclure. Mais sinon, aucun suspect certain. Passez aux anciens employés d'Arkham. Hugo Strange avait des intentions cachées. Quincy Sharp était instable. Le chevalier d'Arkham serait alors un complice visant à achever leur œuvre ? Exactement. Il faut que tu la protèges. Je ne sais pas encore combien de temps je vais pouvoir tenir.